Les révélations à faire maintenant, c'est François, François. Désolé, Nangui. François a été arrêté à marée basse sur la plage nudiste de Montalivet en Gironde pour ramassage de cocaïne avec le nez. Alors, c'est moi qui m'y colle. Alors, bonjour Nangui, bonjour les amis et coco Marlène. Vous savez, Nangui, combien je suis attaché à l'éducation des petits niens-fins. Et comme je suis toujours en quête de contes pour mes jeunes en recherche à raconter au coin du feu dans ma camionnette, bah, chez Cuir Clouté, j'ai donc été totalement captivé par cette version du livre de la jungle, merveilleusement interprétée par vous, Marlène Jobert, et par Eva Green, comme dit le proverbe, telle maman, telle fifille. À ce propos, comme je faisais part de mon admiration à Daniel Morin, celui-ci m'a lancé le livre, je m'en tamponne, je m'en cogne, mais je peux te dire que la Jobert, je l'emmènerais bien dans ma jungle. Mais je reviens à moi, sérieusement, en écoutant ce CD qui accompagne cet album, redevenu à mon tour un petit niaffin, je me suis identifié à Mowgli. J'ai été très impressionné par Bagheera, la panthère noire. J'ai été atteindre et amusé par le débonnaire ours Balou. J'ai frémi de terreur en entendant rugir le cruel tigre Shere Khan. J'ai frissonné en entendant Kaa, le serpent aux sifflantes allitérations dont on a parlé. Je sais où ces sauts sans cervelle se sont installés. Bref, Marlène, outre la poésie et la force brute d'une nature sauvage, par-delà l'exotisme égarant de cette jungle moite, vous avez su, et je vous en suis reconnaissant, exalter avec autant d'art que de subtilité la portée morale de ce conte. Ah, par le saint prépuce, ça c'est de l'exégèse aux petits oignons, c'est vraiment bien tapé comme d'habitude. Et comme me le susurrait Leïla, Père Albert, vos commentaires... Ça nous change tellement des conseils de lecture infantilisants de Denis Chessou dans son émission « L'as-tu lu, mon petit loup ?» Et Nagui d'ajouter d'ailleurs un loup qu'il n'a pas dû voir depuis un bon paquet de temps d'ailleurs, le Chessou de sa tronche. Et oui, c'est dur, c'est sanglant, mais c'est malheureusement aussi cela, la bande originale. Alors bon courage et bonne émission. Merci à vous. La bande originale, Nagui, sur France Inter.